T'es sûr que t'as pas rêvé? Mais non, j'ai pas rêvé, je te dis que je l'ai vue, elle était juste là. Elle était vraiment si canon que ça? Oh, tu peux pas savoir, tu peux pas savoir. Une vraie bombe. Carrossée genre belle américaine, si tu vois ce que je veux dire. Et en plus, elle m'a souri. Oui, mais là, c'est sûr, t'as rêvé. Hein? Bon, écoute, tu verras bien, hein, parce que si elle habite la pension, elle finira bien par sortir. Hé, hey, Luce! Ah, Momo, salut. Salut, Momo, ça gaze? Toujours. Hein? Elle est pas encore là, madame Arouette? Ben non, on l'a vu personne, hein. Ah, elle a dû aller faire les courses. Au fait, vous étiez où hier? On vous a pas vu pour la rentrée? Bah, c'est-à-dire qu'on est arrivé plutôt tard, tu vois. Ouais, bon. On a eu des problèmes avec notre bagnole. Vous avez une caisse maintenant? Ouais, ouais, une caisse qui roule pas. Enfin, c'est une caisse. Oui, bah, elle va rouler, t'inquiète. Ouais, c'est pas une bagnole, c'est un vous, votre truc. Non, mais elle est en panne pour l'instant, mais ça va s'arranger. C'est. Elle a failli démarrer cette nuit, hein. Ouais, ouais, c'était génial, on a presque fait 10 mètres, super. Oui, mais l'essentiel, c'est qu'elle ait démarré. Ouais, bon, moi, je vais ramasser les feuilles dans le jardin. Ah, vous deux, là. Faites gaffe, ça gèle méchant dehors. Ouais, bah, tu m'étonnes, on s'est gelé toute la nuit, hein, quand on s'est levé pour essayer de faire redémarrer la caisse. Oui, bon, mais ça va, avec la caisse, on a compris. Bon, moi, je vous laisse chatcher à plus, hein. Ouais, bon, moi j'irais bien faire un tour du côté de la cuisine parce que j'ai la dalle. Oui, mais c'est bizarre que madame Arlette soit pas là, hein. Pas Bonjour. Bonjour. Oui, c'est bonjour. C'est elle. Oui, j'avais compris. Vous habitez la pension, vous aussi? Oui, oui, tous les deux. Oh, enchantée, moi c'est Agathe. Ah, moi c'est Jérémy. Moi c'est Guillaume. Oh, mais je vous connais. Oh, vous êtes les deux auteurs. Oui, mais comment vous savez ça, vous, d'abord? Oh, bah, c'est Sam qui m'a parlé de vous. Je suis sa fiancée. Vous êtes la fiancée de Sam. Mm-hmm. C'était trop beau. C'était. Voilà, c'est ici. On appelle ça l'annexe. Ça a l'air très sympathique, ça. Tu bois quelque chose? Oui, un café, s'il te plaît. Boire deux cafés, s'il vous plaît. Merci. Ça, là, Paris sera toujours Paris. Ah. Cette ambiance, cette lumière, on ne trouve ça nulle part ailleurs. C'est vrai. Oui. Tu es toujours avec Agnès? Agnès, oui. Oui, notre couple tient. Et toi, t'es toujours célibataire? Oui, la monogamie m'ennuie. Et les femmes françaises sont tellement belles. Pourquoi tu veux que j'en choisisse une? Sacré Vlad, toujours aussi coureur, ce que je vois. Oui, je cours, mais un peu moins vite à cause de mes cheveux gris. Mais ça va. J'étais sûr de vous trouver là. Alors, vous avez la pêche? Ça va, et toi, Marcel? Ça va, merci. Vous avez commandé? Oui, café. Non. Ah, les fraises en plus, merci. Mais non, j'ai fait les comptes hier soir. 11% d'élèves en plus par rapport à l'année dernière. Une belle progression. Bien. Je crois pas que c'est un peu trop. Non, de toute façon, on a un prof supplémentaire. Non, tout ça va très bien. L'hôtel que j'ai trouvé, ça te convient? Parfait. Je compte les cafards pour m'endormir. C'est tout de même plus original que les moutons. Tu trouves pas? Je plaisante. Je n'en ai aperçu que deux. Et encore, je suis sûr qu'ils passaient là par hasard. Non, c'est pas le rite, ça, je le sais bien. Mais compte tenu des moyens de l'école, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Oh, t'inquiète pas, ça va, tout va bien. Bon. D'ailleurs, c'est ma tournée. Je vous offre. Merci, mademoiselle. Les frais, c'est pour moi. 24 francs. Paris sera toujours Paris. Oui. On va partager. Tu plaisantes? Pardon. Ce qui est dit est dit. Mais on pourra se voir tout à l'heure, Marcel. J'aimerais bien qu'on reparle de mon salaire. Oui, bien sûr. Passe-moi voir après ton cours. Je verrai ce que je peux faire. Oh là là, j'ai le trac. Oh, vous croyez qu'ils vont m'accepter au cours? Mais oui, t'inquiète pas. Tu nous as dit que t'avais fait une petite formation, non? Oui, mais Nice, c'est pas Paris. Bon. Oui, non, mais ça va, on parlera pour toi. Oui, t'inquiète pas, Charvet, on le connaît. C'est lui qui a choisi notre pièce, alors tu sais. Oh, c'est super sympa. Oh, vous êtes trop niant. Agathe, s'il te plaît, il fait un petit peu chaud, là. Oui, c'est vrai. Oh, mais ça va mieux, Sam chéri. Oui, j'arrive à respirer, là.
Tu étais malade, Sam? Oh, le pauvre. Si vous l'aviez vu hier soir. Dès qu'on est rentré dans la chambre, il s'est mis à suffoquer comme un malade. Oh. Alors, du coup, on n'a même pas pu faire un petit câlin. Oh. Et ça t'a pris comme ça, brusquement? Bah oui, comme ça. Ça doit être une allergie. Ah, je me demande bien à quoi. Enfin. C'est étonnant que Madame Arlette ne soit pas rentrée de ses courses, non? Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est bien la première fois que... Elle n'est pas là pour le petit déjeuner. Elle a peut-être trouvé un mec au marché. Ah, Sam, très drôle. C'est non, excusez-moi, je plaisantais. Attention! À ma droite, le chocolat et à ma gauche, le thé. Le café. Mais vas-y, t'es pas à l'hôtel, hein. Si tu veux aller le chercher, il est dans la cuisine. Oh. Moi, j'ai pas pris l'option troisième main. Vas-y. Ça va, on stoppe, j'y vais. Ça va, main droite. Julie, du thé. Oui, merci. Et toi, Eric? Main droite, main droite. Chocolat. Voilà du café pour tout le monde. J'en veux bien, s'il te plaît. Ouais, je vous laisse tout. Hein. Attends, merci. Je vais te servir. Attention à tes doigts, ça oui, bon, ça va, je peux me servir tout seul, merci. Ah bon? Oui. Bah, comme tu voudras. J'arrive. Ouais. Ah, les femmes, alors là. Du calme, là, du calme. Dis-moi, Rémi. La petite blonde que tu m'as présentée hier, comment s'appelle-t-elle déjà? Julie. Oui, Julie. Ouais. Elle a l'air assez douée, non? Elle a tout ce qu'il faut pour réussir, oui. Un bon physique, du talent, une force intérieure. Oui. Je m'en suis aperçu, c'est vrai, elle est mignonne. Oh, oh, elle est mieux que ça. Elle est belle. Tu en parles comme si tu étais amoureux, toi. Hein? Un bon professeur est toujours amoureux de ses bons élèves, tu crois pas? Oui, 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 si, surtout quand elles sont aussi mignonnes. Ah, tu changeras pas, toi. Je suis trop vieux pour ça. Marcel, t'as l'air sombre. C'est à cause de ma demande d'augmentation? Pas du tout, je suis prêt à en discuter. Oh, quel bonheur. Non, mais attention, discuter n'est pas accepté. Il faut que j'en parle à la comptabilité. La comptabilité, toujours la comptabilité, c'est ça qu'on me répondu à Budapest. Sauf qu'ici, la comptabilité, ce n'est pas une entité bureaucratique et invisible. La comptabilité ici, c'est toi. Touché. Mais pas vaincu. Allons, messieurs, assez bavardé pour rien. Allons-y, on va être en retard. Pour rien. Tu vas, Rémi. Mon augmentation, ça commence à ressembler à un doux rêve. Ben, je vais te dire une chose. Bravo, Momo. Ah oui, ton petit déj, c'était super. Ah, t'as vu ça? Ben, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis comme Sam. Bon, moi, je vais dans ma chambre chercher mes affaires. Ok, maman, on t'attend. Attends, je t'accompagne. Ok. On va s'installer. Ouais, tu vois. Sam, on peut dire un truc là. Bah allez-y, qu'est-ce qui se passe? Bah rien d'important, c'est juste un truc à te dire. Ouais. Bah quoi? Allez-y. Bon, c'est à propos d'Agathe. On a l'impression que. Oui, enfin que. Bah que quoi? Bah que. Bah, que. Que. Bon, bah vous êtes ensemble, oui ou non? Oh, c'est pas vrai, vous allez pas recommencer avec ça. Bah quoi, recommencer? Oui. Ah, vous étiez pas là hier soir, vous? Non. Bon alors. Agathe, je l'ai rencontrée au Népal. On a eu une petite aventure de rien du tout, mais basta, vous comprenez? Non, non, moi je comprends pas, elle est toujours là. Mais c'est pas moi qui lui ai demandé de venir, elle est venue s'installer toute seule. Attends, ça veut dire que vous n'êtes pas ensemble Attention Sam, c'est très important ce que tu vas nous dire. Hein? Non, on n'est pas ensemble. Hein? Et vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise la vérité? Vas-y. Je sais pas comment faire pour m'en débarrasser. Non mais attends, ça nous intéresse, ça nous intéresse. Si, mais je dirais même plus que ça nous intéresse grave. Oui. Quoi, qu'est-ce que vous voulez dire là? Ça t'ennuie pas si on se met sur le coup, ça... Quoi, elle vous plaît? Hein? Oh, mais t'as pas vu le canon, c'est un top, une bombe! Non, 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 Guillaume, elle est pas terrible, hein, non, mais si ça peut te rendre service, nous on veut bien sacrifier, hein. Ah, ben alors là, mais allez-y, mes seigneurs, allez-y, hein. Moi je vous déroule le tapis rouge, là, n'hésitez pas, hein. Mais, top là, vieux, hein. Eh ben top là! C'est comme si c'était fait! C'est fait! Là, t'es un pote! Eh ben, mais tant mieux! Allez, bon courage, les gars! T'es pas un peu ouf, toi, un peu? Ben comment ça? Mais si tu lui dis qu'elle est trop canon, il va plus vouloir la lâcher. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, ouais. J'avais pas pensé. Bon, allez, pousse-toi, j'attaque. Non, mais oh, pourquoi toi? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui l'ai vu en premier. Souviens-toi ce matin. Ouais. Non, moi je marche pas. On y va tous les deux et le meilleur gagnera, ok? Comme pour les castings, on respecte les accords, hein. Ah ben oui, oui, allez, hein. Bon, d'accord, ok. Oui, allez. Oh, Agathe! Tiens. On peut te parler, là? Bah, c'est-à-dire que là, je dois y aller. Ah bon? Tu dois y aller? Tu t'en vas, alors? Oui, je vais avec Momo chercher les papiers au studio des artistes pour m'inscrire. Ouais. Comme ça, je pourrai les remplir avant. Avec Momo. Eh ouais. Bon, allez, salut les cums. Ouais. Tu viens, poupée? J'arrive. On se voit tout à l'heure. Ouais, d'accord, ouais. Salut, Momo. Salut.
Ben, j'y vais. Ouais, ciao. Bonjour tout le monde. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Noir. Salut. Bonjour, monsieur. Monsieur, comme tu y vas, je m'appelle Christian. Je peux m'asseoir? Si vous voulez. Tu t'appelles comment? Sylvette. Ah. Tu es au cours? Oui, depuis hier. Ah oui. Moi, tu vois, j'y suis depuis 3 ans. Mais bon. Et tu viens d'où? Des Vosges. Ah. Mmh. Ah bah, tu vois, Sylvette, si tu as besoin de quelque chose, je m'appelle Christian. Et... Vous me l'avez déjà dit, merci. Ouais. Ah, intéressante. On verra ça plus tard. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une petite tête, là? Non, non, c'est rien. C'est l'attitude de Sam avec Agathe. Je trouve ça nul. Moi, ouais, c'est vrai qu'après tout, il ferait mieux de lui parler franchement. Bah ouais. Enfin, bon... Qu'est-ce que tu veux? Ouh là là, attends, il va plus falloir tarder là, parce que je sais pas si t'as vu l'heure. Oui, mais moi je veux bien, mais on va pas laisser la pension ouverte. C'est vrai. C'est quand même bizarre que Madame Arlette ne soit pas rentrée de ses courses. Mon Dieu, mais quelle heure est-il? Oh, c'est terrible. Oulala. Vous étiez là? Oh oui, oh, je suis désolée, mes enfants. Je me suis couchée tellement tard, excusez-moi. Bon. Je ne suis pas réveillée. Et votre petit déjeuner, c'est... Bah, mais tout va bien, Momo nous a fait le petit déjeuner et puis il nous a même amené des croissants. Oh. Ça. C'est un brave garçon, Momo, il est gentil. Hein. Ça me soulage. Mmh. Oh, j'ai honte, c'est quand même la première fois que ça m'arrive. Hein. Enfin de quoi? Mais tout va bien, madame, là, tout va bien. Alors vous allez venir tranquillement vous asseoir là, voilà, confortablement installée. Oh, c'est gentil. Voilà, et pour une fois, c'est nous. Qui allons vous dans l'autre thé? Je suis navrée, mes enfants, vraiment navrée. Mais... Vous faites de quoi? Excusez-moi, mais j'ai pas pu fermer la crêperie avant 2h du matin. Alors, le temps de tout ranger, forcément, quand je suis arrivée ici, il était presque 4h. Hein? Attendez. Il faut que vous nous expliquiez, là. C'est quoi cette histoire de crêperie? Ah, bah oui, c'est une très vieille histoire. Jules, c'est un ami, c'est mon ami d'enfance. Oui. Hein? Il a mis toutes ses économies pour acheter le bail de cette crêperie, alors vous comprenez forcément. Et puis voilà qu'hier, il nous a fait une alerte cardiaque. Oh non. Mais bah, quel âge il a? Bah, il a mon âge, il a 60 ans. Enfin, je crois qu'il a quand même un peu plus. Hein. Enfin bref, on peut pas le laisser tomber, vous comprenez? Ben oui. Alors, il a fallu que je m'occupe du restaurant hier. Et puis, si on lâche la clientèle, vous savez ce que c'est, elle revient plus. Hein. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, vous comptez faire quoi? Là, aujourd'hui, vous allez vous reposer quand même un petit peu, non? Mais vous, mon pauvre Eric, vous n'y pensez pas me reposer avec tout le travail que j'ai, mais non. Et puis en plus, il faut que je retourne là-bas ce soir, moi. Vous y retournez ce soir? Bah oui, ma petite Julie, oui, parce que vous comprenez, Jules, il n'y a pas de famille, il n'a que moi. Alors, je peux pas le laisser tomber comme ça. Oh là là, il faut que je tienne le coup, hein, jusqu'à ce qu'il s'en sorte, ça c'est sûr. Pff, oh, j'avais bien besoin de ça. Oh. Eh ben voilà, poupée. T'as plus qu'à remplir ça. Si tu veux, je t'emmène au bistrot, comme ça tu pourras faire ça peinard. Oh oui, oh super. Oh, tu peux pas savoir comme je suis émue. Oh merci, Momo, de m'avoir accompagnée. Non, merci. Mais non, c'est normal. Oh là là, j'espère qu'ils vont m'accepter. Oh, t'inquiète. Oh. Bonjour. Bonjour. Oh, tu les connais? Charvet et ses profs. Oh, c'est qui le plus jeune? Ah. Rémi Ferrand, le plus séduisant des profs. Mais alors fais gaffe. Hein. Il y a déjà du monde sur le coup. Oh, mais arrête, mais moi j'ai déjà mon Samou chéri. Mais ouais. C'est vrai qu'il est pas mal. On verra. Ah, je vous attendais, messieurs. Alors, Robert, mais pourquoi tu n'es pas venu nous rejoindre au café? Mais je ne fréquente pas les bistrots. Dommage. C'est l'âme d'une ville, un troquet, un café, un bistrot. Mais pour moi, ce sont les bibliothèques et les musées. Chacun ses goûts. Bien, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce qui est prévu au programme aujourd'hui? Il serait bon qu'on se coordonne pour ne pas doublonner. Doublonner, comme tu y vas. Eh bien, moi, je pensais commencer par un petit exercice de lecture à vue. Je pense que pour un début d'année, ça peut être intéressant. Mais pourquoi pas? Et vous verrez comme ça si vos élèves savent lire. Ah. Et vous, Slaski? Je sais pas, j'improvise.
en fonction de l'humeur du moment. Vous n'allez pas me dire que vous ne préparez pas vos cours. Jamais, monsieur. Pour moi, un cours, c'est la vie. Est-ce que la vie se prépare? Savez-vous ce qu'il va vous arriver demain, dans un an, dans un quart d'heure? Mais ça n'a rien à voir. Enseigner est une chose très sérieuse. La vie aussi, monsieur. Demandez à ceux qui risquent de la perdre. Alors, monsieur, ne vous chamaillez pas comme ça dès le matin. Attendez la fin de la journée pour avoir matière à vous quereller. Ah, t'as bien raison, Marcel. Bon, moi, je vais faire des photocopies avant que les élèves n'arrivent. Je viens avec toi. Et tu vas m'expliquer comment marche la machine. À tout à l'heure. Oh, dis-moi, il serait pas un peu fumiste? Tu plaisantes. C'était une tête d'affiche au Théâtre National de Budapest. Non, je l'ai vu plusieurs fois jouer. Une pointure. Moi, je connais de très bons acteurs qui font de très mauvais professeurs. Et moi, je connais de très mauvais acteurs qui sont de bons professeurs. Tu penses à qui, là? Personne. Pauvre Madame Arlette. Elle m'a fait de la peine ce matin. C'est vrai qu'à ce rythme-là, je sais pas si elle va tenir le coup. Hein. À son âge, se coucher à 4 heures du mat, c'est pas raisonnable. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle ne peut pas laisser tomber son amie. Voilà. Oui, mais enfin, ça, je le comprends. Enfin, tout de même, il y a des limites. Je sais bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut pas lui poser la question. Ah, mais c'est toujours la divine Madame Bonacieux? Avec ses deux fiers mousquetaires? Ciel, l'infâme Javert. Ah non, tu trompes d'auteur. Oh, je suis misérable. Bon, on pourrait peut-être commencer la journée en se disant bonjour gentiment. Oui. Ça va, Christian? Merveilleusement bien. Cette journée s'annonce sous de très, très bons auspices. Ah, tiens, quelle heure est-il, en fait? Oh, mais c'est l'heure d'aller prendre mon café. Noir, bien sûr. Non, avec du lait. Et un gros nuage de lait. Ah. À plus tard. Bon, bah écoutez, on va peut-être y aller, nous aussi, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous doit? Oh, j'ai oublié mon argent à la pension. Tu peux m'avancer, s'il te plaît? Ouais, je t'invite. Ah, bah tiens, moi aussi. Ouais. Tu m'offriras un café après, ou pas? Ok, merci. Dis donc, Sam, ça a l'air de s'arranger, tes affaires, là. Oh, mais parle pas de ça, s'il te plaît. Bah, pas si, regarde. Arrête. Bah voilà, tout est en ordre, hein. Oh, j'espère vraiment qu'ils vont m'accepter au cours. Non, oui, mais t'inquiète. T'auras aucun problème, hein. Non. Mais oui, mais Sam m'a dit qu'il sélectionnait les élèves. Mais ils vont te prendre, c'est sûr. Ça crève les yeux que t'as du talent. Ah oui, oui. Vous trouvez? Ah si, si, je t'assure, hein, t'as un tempérament extraordinaire. Oh, arrête, tu dis n'importe quoi. Mais non, non, tu es ce qu'on appelle une nature au théâtre, hein, tu comprends? Non, non, ça veut dire quoi? Ah. Ça veut dire que tu as, comment dirais-je, une personnalité extraordinaire. Oui, hein. Oui, hors du commun, moi, je dirais. Ah oui? Vraiment? Ah oui. Oui, ça, on l'a vu au premier coup d'œil, nous. Hein. Oui, d'ailleurs, Jérémy et moi, on serait ravis d'écrire pour toi. Hein, Jérémy? Hein? Ah ben, bah, oui, 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 ça. Oui, et puis ça, c'était une source d'inspiration, toi, ce... Ah oui. Regarde, c'est plutôt bien parti. Oui, bah, profitons-en, allons-y, allez. Enfin, Sam, tu vas pas l'abandonner, hein? On y va, je vous dis, allez. Ah, okay. Sans cœur. Allez, passez. Attends, on va faire ça bien. Eh oh, Sam! Mais tu m'as pas dit qu'on y allait? Attends, j'arrive! Bah, bon, mais... les garçons, je dois y aller, mon homme m'attend. Bah, mais c'est... Ah, bah, oui, parce que... Ciao! Salut! Bah... Oh, ils sont marrants, tes copains. Bon, je te suis. Bon, n'oublie pas que je dois m'inscrire et puis que tu dois tout m'expliquer. D'accord? Oui, bon, allez, on y va. Allez, allons-y. C'est dur, hein? Mais t'inquiète pas, on va y arriver. Ouais. Elle a même pas payé son café en plus. C'est pas grave. On investit. Je m'inquiète un peu pour Agathe. J'espère que ça se passe bien pour elle. Mais oui, ça va bien se passer. Et puis tu sais, une audition avec le père Charvet, c'est une simple formalité. Oui, mais avec elle, ça risque d'être dur quand même. Hein. Arrête, Sam, t'es pas sympa. Elle s'est pas mal débrouillée, non? Oui, moi je la trouve très bien. Mais moi aussi, je la trouve très bien. Oh, ça y est, je me suis inscrite. C'est vrai? Oui. Oh, monsieur Charvet était super. Il m'a fait lire un poème de Verlaine et il m'a trouvé très bien. Ah bah c'est alors. Oh, c'est grâce à toi, mon petit Samou. J'ai pensé à toi en le lisant.
Dis-moi, Agathe, t'inquiète, installée avec nous, là. Tu crois que je peux assister à ce cours? Mais bien sûr. Ah oui, c'est en cours libre. Oh, tu peux pas voilà. Savoir ce que je suis émue. Ah si, moi, je me souviens bien de mon premier cours. Je crois que j'étais pire que toi. Oh là là. Bonjour. Ah, Marie, dis donc, t'es pas venue chez moi hier? Non. Enfin, c'est dommage, parce que, tu sais, moi, j'étais en forme, mais bon, ce sera pour une autre fois, alors. Salut. Ça va, Marie? Ouais, ouais, enfin, ça pourrait aller mieux, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, des problèmes personnels. Rien de grave, ça ira. Ça va passer. Ah, au fait, je voulais te présenter Agathe, qui vit avec nous à la pension. Agathe? Enchantée. Marie? Salut. T'as un physique intéressant. Merci. Et toi, tu es très jolie. Je disais pas ça pour avoir un compliment. Hein. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, messieurs. Calme, s'il vous plaît. Attention. Bien. Je vois qu'il y a des nouvelles têtes. Des anciens. Bon. Alors, pour les nouveaux. Je suis le chef pirate et nous allons naviguer au large dans les hauts fonds de l'art dramatique. Et je vous promets des abordages de textes épiques remplis de trésors. Comme l'année dernière. Tu trouves que je manque d'imagination? Oui, je trouve que tu manques d'imagination, parce que tu nous as fait exactement le même discours la dernière fois et... J'en manque tellement que l'année prochaine, je ferai certainement le même discours. Ah oui, il y a certains rituels que j'aime bien respecter. Bien. Nous allons commencer par un exercice de lecture. Je vais vous distribuer des textes de différents auteurs. Oui. Vous distribuez au fond aussi, oh, Sam? Merci. Tiens. Oh. Ah bah comme l'année dernière. Voilà. Alors nous allons commencer à lire ces textes à haute voix, puis après on en parlera. Okay. Hmm? On en parlera, ah oui, comme l'année dernière, oui, forcément. Je vous donne 5 minutes, après on commence. Christian, tu veux sortir tout de suite ou tout à l'heure? Moi? Pourquoi veux-tu que je sorte? Parce que, comme l'année dernière, nous allons ouvrir le débat sur les textes. Comme l'année dernière, tu vas commencer à persifler, et comme l'année dernière, tu vas dépasser les limites. Comme l'année dernière, je vais te demander de sortir, autant ne pas perdre de temps. C'était génial, fabuleux! Oh mon Samou, oh, tu peux pas savoir comme je suis heureuse! Mais on est tous heureux pour toi, enfin, les bêtes, mais oui. Merci, et Rémi? Oh Rémi, il est génial! Tu ne trouves pas, Julie? Si, si, bon professeur. Bon, on y va? Attends. On y va, on y va. Agathe, 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 attends! Oui? On voulait dire qu'on était vraiment, mais vraiment très contents pour toi. Oui, on va t'écrire un rôle, tu vas voir, ça va être génial. Oui. Ah, merci. Oh, c'est gentil, les choupiou. Bon, excusez-moi, mon homme m'attend. Ah, oui, mais... Ça vous, j'arrive. Bravo, Agathe, hein, offrir le chantier royal. Oh, je suis tellement heureuse. Oh, mais vous ne pouvez pas savoir. Ah, mais si, on est tous très contents pour toi, alors bienvenue au studio des artistes. Et que ta carrière soit remplie de succès. Et d'amour. Ah oui, ça c'est important, l'amour. Oh, mais ça, j'en ai déjà. Oh, dommage qu'il soit pas venu, mon petit Sam. Ah oui, oui. Mais c'est pas grave, on est là, nous, tu sais. Ridicule. Moi aussi. Ça fait bien, ce petit... Champagne. Ah oui. Qu'est-ce que vous fêtez là? L'arrivée d'Agathe. Agathe. 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 Oh monsieur, je suis tellement contente. Monsieur, non, non, non. Rémi. Eh oui, on tutoie les professeurs ici. Surtout Rémi, bien entendu. Hein. Rémi, je te sers un verre, bah, t'as qu'à prendre le mien. Merci. C'est gentil, mais bon. Eh bien, à Agathe. 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 C'est la teuf, tout le monde se la joue. Mais bon, faudrait pas oublier Madame Arlette et la crêperie. À mon avis, ça va se corser.
On verra ça la prochaine fois. À plus. Luce.